Tu es sûr qu'on est au bon endroit? Non, pas vraiment, mais... Enfin, je comprends pas, ça devrait être là. Ça fait au moins 10 minutes qu'on tourne autour des grillages et qu'on trouve pas cette foutue prison. La prochaine fois, faut vraiment que tu penses à prendre une carte. Tu rigoles ou quoi? C'est toi qui as proposé cette expédition dans cette prison désaffectée de Brookhaven. C'est pas moi, c'est toi qui aurais dû penser à cette carte. T'as pas été sur Google Maps avant qu'on vienne ici? C'est quoi ça, Google Maps? Oh, c'est bon, j'abandonne. On rentre à la maison, c'est pas grave. On essaiera une prochaine fois. En plus, il commence à faire frais. Moi, il me semblait qu'il faisait chaud. Enfin, je veux dire, il y a 20 minutes en arrière, il faisait hyper chaud. Et là, limite, je me les gèle. Oh, attends, je crois que je vois un truc là. Wesh, c'est quoi? C'est un panneau? Bravo, t'as trouvé un panneau. Oui, mais il serait pas là s'il y avait pas quelque chose ici. Je crois qu'on est arrivé. T'as peut-être raison finalement. Il y a marqué qu'il y a seulement le personnel autorisé et que c'est un endroit avec des restrictions. Je retire ce que j'ai dit, je crois qu'on est arrivé en fait. Tu vois, je t'avais dit qu'on a besoin de Google Maps. Je retire ce que j'ai dit finalement. Allez, maintenant qu'on a trouvé c'est où, viens, on y va. Bienvenue dans le Vendrezelle Horror Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cet emoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. On fait comment maintenant pour entrer? Je sais pas trop, mais je pense qu'il doit y avoir un grillage quelque part. Enfin, il y a tous les youtubeurs qui sont venus ici pour faire des vidéos urbex en mode « on est dans une prison désaffectée, boufoufou, ça fait trop peur ». Ils sont bien passés par quelque part. Mais ils ont jamais montré par où ils sont rentrés. C'est logique, ils l'ont fait exprès pour que les gens ils puissent pas en faire des vidéos ici. Mais moi je veux rentrer et comme ça après on pourra dire à toutes nos copines dans notre classe qu'on est venus ici. Et d'ailleurs faudra qu'on fasse des vidéos comme ça sinon ils vont pas nous croire. On peut déjà regarder à travers la vitre, voir à quoi ça ressemble. C'est ouvert? C'est ouvert. Mais pourquoi c'est ouvert? Je sais pas, ils ont peut-être juste oublié de fermer. Non. Déjà, de une, comment ça, ils ont oublié de fermer? Ça fait des années, ça fait au moins 10 ans que cette prison, elle est fermée. Et puis de deux, il est même pas censé y avoir de l'électricité. Mais je vois qu'il y a des lumières sur certains interrupteurs et les vitres sont électriques et ils s'ouvrent. Franchement, je sais pas, mais tant mieux, non? C'est peut-être un des youtubeurs qui est passé par là qui, je sais pas, il a remis les trucs électriques, là. Ouais, mais t'as raison sur un truc, autant en profiter et on a qu'à y aller par la porte d'entrée de toute manière. Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Vas-y, viens, profitons-en parce qu'on sait jamais, ça se fait, il y a l'électricité qui va sauter. Oh, imagine, on rentre dedans et on reste bloqué parce que l'électricité se coupe et les portes ne se réouvrent plus. Ce serait marrant quand même. Viens. Inès, attends-moi, les portes ne s'ouvrent plus, je suis bloquée derrière. Comment ça t'es bloquée derrière? Non, moi c'était une blague ce que je disais tout à l'heure, c'est pas possible, il faut que tu... Oh, je sais pas, essaye de trouver un autre chemin, rejoins-moi comme tu peux, me laisse pas ici toute seule. Je veux pas rester là, surtout pas toute seule, c'est un endroit lugubre, c'est pas un endroit pour moi. Donc va chercher de l'aide ou trouve un moyen d'entrer ici. Laura! Laura! Mais où est-ce que tu vas? Laura? Mais... Oh, non mais c'est... Non, elle l'a fait exprès, c'est pas possible, c'est un prank. Si c'est une blague, tu reviens tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je trouve une autre sortie. C'est une sortie, non? Je vais essayer par là. Ah,
Ah, ça sert à rien ici. C'est juste une cour extérieure, mais c'est complètement fermé. Il n'y a pas moyen de sortir. Il n'y a même pas de grillage avec un trou comme dans les films. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment la merde. Là, je peux le dire. Qu'est-ce que je vais faire? Ça me donne vraiment la chair de poule, cet endroit. C'est... Oh, en plus, il fait tellement froid ici, je les gèle. On aurait dû prendre une veste alors que là, dehors, j'ai l'impression que juste avant qu'on vienne dans cette zone, il faisait 30 degrés. Ici, j'ai l'impression qu'il fait 0 degrés, voire même moins 10 bientôt. J'ai l'impression d'être dans mon frigo. Laura? T'as réussi à rentrer, Laura? Laura? Laura, si tu pouvais te dépêcher. Oh, et si je... Si j'essayais d'appeler quelqu'un, là. Non, je ne chante absolument pas pour me rassurer. J'espère qu'elle va me répondre. Ouais, comment ça, j'ai pas de réseau? Je paye mon abonnement 50 euros par mois? J'ai pas de réseau? Non, mais c'est une blague. Ok, cette prison, elle est un petit peu au milieu de nulle part, mais quand même... Je veux dire, enfin, à un moment donné, on est à Brookhaven, il devrait y avoir internet partout, il devrait y avoir le wifi partout, faudrait qu'il y ait le réseau partout. Je vais envoyer un message comme ça, dès que j'arrive dans un endroit où ça capte, elle recevra mon message. Laura, tu n'es toujours pas là, STP, appel de l'aide, je suis bloquée ici, et je commence à avoir très très peur et très très froid. Il faut absolument que je trouve une sortie. J'ai l'impression d'être dans une cafétéria. Bah, techniquement, dans une cafétéria, il faut bien qu'il y ait un endroit de livraison derrière. Peut-être que ça me laissera un passage. Je vais aller voir. Super! C'est un stock, mais il n'y a absolument rien du tout ici pour pouvoir sortir. Comment? Qu'est-ce que je vais faire? De toute manière, c'est sûr, Laura, si elle trouve pas d'entrée, elle a sûrement appelé quelqu'un pour venir m'aider ici. Ah, je vais être punie jusqu'à la fin de ma vie. Wesh, c'est quoi ça? Mon dieu, mais... Il y avait quelqu'un derrière la porte. Et cette chose m'a vue, et elle portait un masque. Et surtout, mais c'est pourquoi elle est habillée en orange comme si c'était un prisonnier ici? Mais c'est pas possible! Cette prison, ça fait plus de 10 ans que maintenant. Elle est fermée. Il n'y a plus de prisonniers. Faut que je trouve... Faut que je me cache. C'est quoi ça? Je peux peut-être me faufiler par là. Il faut que je mette des cartons. Et il faut que je saute là-haut. J'ai commencé par éteindre ma lampe torche. Il me verra pas comme ça. Et je vais empiler des cartons. Ça devrait être bon comme ça. Où est-ce que je suis? Dans les canalisations? C'est vraiment grand ici. En même temps, c'est une grande prison, donc c'est normal. Il faut que je trouve une sortie. Peut-être que si je passais dans cette canalisation-là, ça devrait me permettre de sortir. C'est bon. Où est-ce que je suis? C'est quoi ça? C'est encore des stocks? Qu'est-ce que c'est? Par où est-ce que je dois passer? C'était quoi ce bruit? Il y a un monstre! Il y a un monstre! Dans cette prison, il y a un monstre! Ouvre-toi, sale porte! Ouvre-toi, sale porte! Il va arriver! C'est quoi ça? Un ascenseur? Avec un peu de chance, il peut fonctionner encore. Calme-toi. T'es forte. Si je monte en haut, je vais atterrir sur le toit. Allez, vas-y, marche, s'il te plaît, ascenseur, marche. Il a bougé. Où est-ce qu'il m'emmène? J'appuie sur tous les boutons. Je sais pas où est-ce qu'on va. Vite. C'est bon. Mais je crois que je suis revenue au même étage. Mais qu'est-ce que je vois là-haut?
Laura! Ah bah enfin! T'es arrivée! Laura, je suis là, vous m'entendez? Je crois que la vitre, elle est insonorisée. Et je comprends pas. Tu devrais m'entendre. Je vais taper sur la vitre. Laura! Allô? Je suis là! Pourquoi ils n'ont aucune réaction? C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? C'est le bruit de l'ascenseur que je viens d'entendre? Qu'est-ce qu'il fait là? Vite, avant qu'il sorte, il faut que j'aille me cacher quelque part. Où est-ce que je peux me cacher? C'est tellement vaste ici. Je vais aller me cacher dans une cellule en haut. Non, 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 j'ai pas le temps de monter en haut. Je vais aller dans celle-là. Est-ce qu'elle s'ouvre? Oui, c'est bon. Elle est ouverte. Je vais fermer la porte. Comme ça, il va pas se soucier qu'à quelqu'un. Je vais me cacher sous le lit. C'est bon. Ici, il ne me verra pas. C'est impossible. Qu'est-ce qui vous a pris de venir ici? C'est un endroit interdit au public. Pourtant, il y a une pancarte à l'entrée. Vous ne l'avez pas remarqué ou quoi? Je suis désolée, monsieur l'agent. Mais moi et mon ami, on se promenait, on s'est perdu. Et comme il fait noir, on n'a pas vu le panneau. Et on se dit, oh tiens, un bâtiment. On peut peut-être demander de l'aide ici. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous accueillir et appeler nos parents. Et elle est rentrée et puis pouf! Elle a disparu derrière la porte. Je comprends pas ce qui s'est passé. Votre histoire, elle est sympathique, mais je doute que ce ne soit la vérité. Mais en attendant, d'abord, on va essayer de retrouver votre amie. Par contre, est-ce que vous pouvez être un peu plus honnête sur la partie où vous dites où pouf, elle a disparu derrière la porte? Monsieur, je sais que c'est vraiment très bizarre et tiré par les cheveux, mais c'est la vérité. Elle est rentrée. La porte, j'ai voulu la suivre, mais la porte, elle s'est fermée, monsieur. Et elle a disparu dès que la porte, elle s'est fermée. Je ne la voyais plus à travers la vitre. Et en plus de ça, la porte, elle s'est verrouillée. Et je ne pouvais pas rentrer pour la suivre. Je sais pas, c'est trop bizarre. De toute manière, vous savez, mademoiselle, qu'on va la retrouver. Et quand on la retrouvera et qu'on aura sa version des faits, eh bien, vous aurez de graves ennuis. D'accord, monsieur l'agent, mais s'il vous plaît, d'abord retrouvez-la. Les pompiers arrivent, ils vont nous aider à ouvrir la porte. En attendant, mes collègues sont en train de faire le tour de la prison pour savoir s'il y a une autre issue par laquelle il serait possible d'entrer ou de sortir. Donc, pour le moment, il n'y a rien à faire à part attendre les pompiers. Ah bah tiens, je crois que je les entends au loin, ils doivent être en train d'arriver. Bon, mettez-vous sur le côté pour qu'ils puissent défoncer la porte. C'est quoi ce bruit? On dirait une explosion. Je vais peut-être sortir pour voir. Il y a plein de poussière, c'est dégueulasse ici. Je crois qu'il est parti. Pourquoi la porte ne s'ouvre plus? Je me suis encore enfermée ou quoi? D'un côté, il peut plus venir me chercher ici. Sauf s'il peut ouvrir par l'extérieur, là ce serait vraiment horrible. Laura, Laura, je suis là. Et enfin, vous êtes arrivée, je suis là. Venez m'ouvrir, s'il vous plaît, je suis enfermée. Est-ce que vous êtes sûre pour votre histoire? Parce que on a vérifié toutes les caméras qui étaient encore en marche, et ça nous indique que personne n'est entré ici, il n'y a pas eu d'effraction. Mes collègues ont fait le tour de la prison, on est tombé sur personne. Et regardez, c'est vide, il n'y a personne non plus dans cette salle principale. Vous savez que mentir, ce n'est pas bien, mademoiselle. Mais monsieur l'agent, je n'ai pas menti. Je vous jure sur la vie de Wham qu'elle est rentrée ici. C'est obligé. Elle doit être quelque part. Je sais pas. Inès, où est-ce que tu es? S'il te plaît, c'est moi, Laura. Vous savez que les pompiers viennent de défoncer la porte d'entrée pour nous permettre d'accéder à ce lieu. Vous savez combien que ça va coûter, toute cette intervention? Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens s'intéressent à vous, c'est ça? Vous voulez un peu de notoriété? Vous voulez faire comme les jeunes sur Internet et gratter du buzz, c'est ça? Vous savez que vous allez avoir de très graves ennuis pour ça. Laura, mais je suis juste derrière toi, tu me vois pas ou quoi? Ouvrez-moi la porte, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes... Mais...
Vous êtes complètement à l'ouest, ouvrez cette porte, arrêtez. Si c'est une blague qui continue, arrêtez tout de suite, ça me fait trop peur, j'ai failli avoir une crise cardiaque tout à l'heure. Laura ! Allô ? Laura ! Vous avez pas entendu un bruit là ? Je crois que j'ai entendu quelque chose qui venait derrière moi. Arrêtez d'essayer de gagner du temps. Il n'y a strictement personne ici. Les caméras l'auraient déjà remarqué. Et en plus de ça, il n'y a pas eu de détecteur de mouvement qui se sont enclenchés lorsque votre soi-disant ami est entré ici. Mais monsieur, mon amie a vraiment disparu. Elle est nulle part. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous ne me laissez plus le choix, là. Allô, la centrale ? Ici, agent 02. Oui, je suis actuellement sur le terrain et il me semble que la jeune fille, Laura, qui nous a appelé ici pour l'intervention, a des problèmes psychiatriques. Est-ce que vous pouvez faire venir une ambulance, s'il vous plaît ? Terminé. Mais monsieur, j'ai pas de problème psychiatrique. C'est la vérité. Elle est entrée ici. Aidez-moi. Écoutez, maintenant vous allez bien gentiment me suivre jusque la sortie. Vous allez être vu par un spécialiste, d'accord ? Ce n'est pas moi de juger si vous avez oui ou non des problèmes psychiatriques, c'est à l'ambulance. Venez, suivez-moi. Et s'il vous plaît, ne m'obligez pas à vous emmener de force. Laura, s'il te plaît. Ne t'en va pas, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me laisse pas ici toute seule. Laura. Laura, non, 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 t'en va pas, Laura. Laura. S'il te plaît. S'il te plaît, Laura, ne t'en va pas. Ils sont réellement partis. Il faut que je les suive. De toute façon, il a dit qu'ils avaient pété la porte. Donc forcément, si j'arrive à sortir de la cellule, je vais pouvoir sortir d'ici. Il est de retour, mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Et toi ? Ouvre-moi la porte tout de suite ! Ce n'est plus drôle ! Si c'est une blague depuis le début, c'est vraiment pas drôle ! Il fait trop peur. Mais qu'est-ce qu'il me veut ?